Bonjour à tous, c'est Alex du Québec pour un test démo sur Bulletstorm sur Xbox 360, un jeu édité par Epic Games et développé par Purple Camfly. C'est un FPS qui va sortir le 24 février 2011. Ensuite de ça, basé dans un univers futuriste, utopique, le jeu nous entraîne sur les traces de Grayson Hunt et Ichi Sato, deux membres d'une organisation paramilitaire œuvrant pour une confédération futuriste baptisée Dead Echo. Mais le duo va échouer sur la planète Stingia, terre d'asile de dangereux mutants. Et voilà les potes, on va commencer immédiatement ce test démo sur ce jeu Bulletstorm. Voilà, on voit un beau paysage, bien foutu les potes. Et voilà, je sais pas si c'est nos personnages du jeu. En tout cas, ça a l'air bien foutu ce putain de jeu pour l'instant. La musique également a l'air énorme. Ouais. Bon, on va arrêter de niaiser, on va appuyer sur la touche, voilà, start. Bon, pour commencer, nous avons la campagne, écho, je sais pas qu'est-ce que ça sert, les options, contenu téléchargeable, multijoueur, équité. Dans la démo, on a juste écho, et voilà. Immeuble effondré, et voilà. Putain, la voix est en anglais, sous-titre en français. This butthole of a planet is hard resolution. Might just be some demo to you. A succulent morsel of the greatest damn game ever made. But I'm heavily invested in our success. So come on and creatively kill your way through a metric fuck ton of... Ouais, ça a l'air bien sanglant comme jeu. High scores leaderboard, baby. Well, if that's the sort of thing you're into. We ready to boogie? Come on, let's kill with some skill. First, the basics. Your primary weapon is the Peacemaker Carbine. Give her a whirl. Nice weight, huh? And we have our first volunteer. Pop a cap in the boy's hood. Bury your foot in this poop passage. Voilà, ils m'ont comment joué. Putain, vous avez vu le coup de pied ? Assez bien foutu en lui pétant des coups de mitraillette dans le corps. Oh putain! Ouais, je pense que les coups sont très variés dans ce FPS. Putain! Ouais, assez bien foutu pour l'instant, je trouve. C'est des killer combo. Putain, ouais, je sens que ce FPS va être original, il va se distinguer des autres FPS habituels. Putain! On a un genre de grappin pour agripper les ennemis. Voilà. Ouais, bon, on appuie sur le foutu bouton.
je veux jouer à cette démo de Bulletstorm. Il expliquait comment jouer, mais là, c'est trop lent. Allez, putain. Ça a l'air débile comme jeu. Avec le grappin, on peut agripper les ennemis. Et ensuite, les kicker en même temps ou appuyer sur A pour sélectionner vos armes et lancer l'écho. Voilà. On a le choix des armes. Je sais pas si on peut prendre... Je vais prendre lui. Oh putain, je peux pas. Non plus. Yeah. Ok. Je sais pas si je peux choisir plusieurs armes. Et voilà. Bon, ben, démarrer. Putain, commence directement. Bon, ben, le contrôle pour commencer est assez fluide. J'aime le contrôle et voilà. On peut zoomer avec le LT et tirer avec le RT comme toujours. Ensuite de ça... Oh putain! Je peux faire mon grappin avec le LB. Je sais pas si je peux choper les putains d'items. Non. Voilà. J'ai hâte d'essayer ce truc sur un putain de monstre. Voilà. Putain, je comprends pas. Il y a un timer en haut de l'écran. On est rendu à 35 secondes. Oh putain, ça y est. Ici, connard. Oh putain. Assez bien foutu les potes. Voilà, quoi, ça finit. Ouais. Ça commence très bien les potes. Mais j'ai pas réussi à tirer le connard. Oh putain. Ok, d'accord, on peut pas... Oh putain. Je sais pas comment qu'on donne un coup de crotte. Et voilà. Oh putain. Je suis en train de me faire démolir la gueule. Quoi, ça finit. Voilà, ça donne également des points, je sais pas si c'est de l'expérience, saleté de connard. Il y avait un bouton qui montrait qu'on pouvait donner un coup de pied, voilà, c'est avec le B, je sais pas, je peux... Oh putain. Je sais pas si le putain d'ennemi a disparu, voilà. Faire attention. Oh putain. Je vais essayer le truc, et voilà, on va se fumer. Mais je comprends pas. Oh ça connard. Voilà. Donc on pouvait voir au début... Putain, ça mitraille. Attention. On a ça méfié. Ouais, très original comme FPS, je trouve, pour le moment. Assez violent, je viens d'y éclater sa tête de merde. Voilà, je vais essayer de faire une super passe. Ouais, assez destructeur comme jeu. Rien à dire, les potes. Je sais pas si le décor est destructible. Voilà, là je sais pas trop où faut aller. Oh putain, ça t'est le connard. Et voilà, prends ça dans ta gueule de merde. Ouais, assez bien foutu comme jeu, rien à dire pour le moment. Et voilà, fumier. Wouhouhou. Assez sanglant les potes. Oh putain, je pensais que c'était des putains d'ennemis, non. Ouais, je m'amuse à cette démo, rien à dire pour le moment. Oh putain, des petits connards. Oh putain. Et voilà, je viens de déclater ça. Oh putain. Vous avez vu? Il suspend dans les airs, je sais pas si c'est un bug. Oh ça chier. Voilà. Assez bizarre les potes. Voilà. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Oh putain, cette petite connard. Je sais pas où ce qu'il est. Ouais, la musique, c'est une musique heavy metal. Allez, ça m'écumier. Oh putain. Attention. Saleté de connard. Oh putain, il y a quelque chose. Oh putain, une saleté, une putain de sulfateuse. Oh putain, prenez ça mes chiens. Oh merde, je me suis fait démolir la gueule. C'est pas grave. On va recommencer. Et voilà. Ouais. Original comme FPS avec le grappin électrifié. On peut attirer l'ennemi. Ensuite de ça, lui péter un coup de pied dans la tronche. Et ensuite, le sulfaté dans sa gueule de merde. Ouais, assez violent, je trouve. Rien à dire pour le moment. Je m'amuse à cette démo. Et voilà. Allez, putain. Bon. On n'y arrivera pas à se pousser. Allez, putain. Voilà, ça fait de connard. On t'a fumé. Le coupier dans les dents. Et on sulfate sa gueule de merde. Putain. On t'a fumé. Voilà. Je viens de jeter la tête à tête. Oh putain. Ça y est, connard. Voilà, il
monte une porte flashée avec le LB, voilà. Oh putain, aura fallu que je le fasse dessus les ennemis. Bien foutu. Oh, cette lumière. Connard. Voilà, lumière. Voilà. Un bon défouloir, les portes, rien à dire pour le moment. Attention, parce qu'il va y avoir d'autres putains de fumier, pas ça fumier. Wouhou! Ah putain, il a assez résistant, c'est temporaire. Voilà, attention. Wouhou! Pas ça fumier. Un coup de pied dans les dents, un autre, pas ça fumier. Ouais, assez déchirant comme un fait. Pour l'instant, je m'amuse très bien. Mais ça n'est pas là. Wouhou! Ça t'a merde. Wouhou! Attention, ça t'a fini. Ouais, très amusant comme jeu. Ça t'a cana. Oh merde, je suis en train de me faire niquer. Cana. Il est là, Atakana. Ah, rien à dire les potes. Et voilà. Oh putain, regardez-moi ce putain de bug. Assez mal foutu les potes. Regardez ça. C'est très laid. On donne peau élastique. Et voilà, il y a donc un putain de fumier. Attention. Ça y est. Voilà. Prends ta fumier. Assez bien foutu. Ça c'est le connard, ça c'est le putain de sulfateuse. Oh, putain. On s'est fumé. Bon, on va prendre la super sulfateuse et on va buter ces saletés de connard. Ouais, ça sulfate, cette sulfateuse assez déchirant. Prenez ça, connard. Putain, les connards. Et voilà, pour mes amis connards. Oh merde, il en reste encore. Voilà, je sais pas si je peux faire mon laser. Boum. Et oui, les potes, assez déchirant comme jeu. De beaux graphiques, un beau ciel. Un décor apocalyptique, voilà, bien utilisé. Tenir. Je sais pas qu'est-ce que c'était, mais ça l'a écrasé du fumier. Ouais. Ok, en appuyant sur le A, on peut courir. Ceux de salut, ils sont plus rechargés. Le B, c'est un coup de pied. Le... Oh putain. Oh putain. Ça a l'air d'une putain d'arme assez puissante. Avec le Y, on peut changer d'arme. Bon, bon, je vais essayer ça sur un putain d'ennemi. Ouah. Oh putain, c'est quoi la merde là? Bon, allez, on va se pêcher. Ouh, oh putain. Assez jouissant, je trouve, pour l'instant. Regardez-moi ça. Oh putain. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Ceci dit, ça va être la fin du test démo sur Bulletstorm. Un jeu sur Xbox 360 qui va sortir également sur PC et PS3. C'est un jeu édité par Epic Games et développé par Purple Can Fly. C'est un FPS qui va sortir le 24 février 2011. Et je vous remercie à tous. Et je vous laisse sur ces images. Et à la prochaine.